Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Pendant que je vous parle, nous sommes à... Il est pratiquement 2h32, 32 ici depuis Paris. Depuis Paris. Donc, pratiquement, nous sommes aujourd'hui au 10, c'est-à-dire que nous sommes de la nuit, n'est-ce pas, du 9, lundi 9 au mardi, nous sommes pratiquement mardi déjà. Pour vous annoncer un événement de taille, la vidéo précédente, vous annoncez que les horaires ont changé. Effectivement, les horaires ont changé parce qu'on devait commencer aujourd'hui à partir de 16h jusqu'à 10h et le mercredi de 11h jusqu'à 10h. Les horaires ont changé parce qu'il s'avérait qu'il y a des personnes qui utilisent la salle pratiquement tous les soirs. Donc, on a décidé que ça soit dans la matinée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mardi, quand tu te réveilles ce matin, il est déjà 6h quand tu vas compter 6h à 10h. À 10h, mardi 10. Nous démarrons le programme de taille, un programme de grande portée, de délivrance et de restauration. De délivrance et de restauration. Donc ne rate pas ça. C'est un événement de taille. Il y aura des séances d'écoute en privé, une orientation et une délivrance. C'est un souci de blocage. Tu as un problème quelconque où le diable n'arrive pas, le diable ne veut pas, tu vas émerger. Et tout est fermé autour de toi, tu as une maladie dite incurable. Depuis que je suis dans le ministère, j'ai vu des malades guéris. J'ai vu des personnes fortes, atteintes de 15 ans de folie, où la médecine avait condamné pour dire qu'elle ne pourrait jamais plus guérir sans des médicaments, que j'ai vu guéris par la puissance de Dieu. J'ai vu des personnes qui avaient l'insuffisance rénale, qui ont été délivrées. J'ai vu des personnes, même dites des bébés morts dans le ventre de leur maman, qui ont été, n'est-ce pas, ressuscités, guéris, délivrés. J'ai vu aussi, n'est-ce pas, le grand miracle de Dieu, des personnes dites stériles, qui ont enfanté, d'autres même des jumeaux, des personnes qui sont condamnées au célibat, après une rencontre avec le prophète Crasso que je suis, parce que Jésus-Christ est Seigneur, bien sûr, pas le Crasso, ils ont vu le miracle. Ça vous dit, c'est un programme de taille. Je suis de passage ici. Vous savez bien que ma base, c'est en Côte d'Ivoire et précisément à Divo. Je retourne très bientôt. Mais en même temps, j'en profite parce que je veux un message très fort. Je suis venu pour vous annoncer une grande révélation, pour vous dire que Dieu est bon. Et Dieu, dans sa bonté, veut, n'est-ce pas, vous ramener avec toutes les richesses que vous avez acquises depuis l'Europe. Voilà, je suis panafricain. Pour moi, d'abord, le développement de l'Afrique commence par le spirituel. Parce que les Blancs ayant combattu la sorcellerie, ils sont rentrés pleinement dans le siècle qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle. C'est ce qui est vrai d'ailleurs. Je suis en train de sillonner les pays, les capitales européennes. Je découvre un peu, comme j'ai l'habitude de le faire d'ailleurs avec les richesses d'ailleurs, encore les symboles très importants où les gens brûlaient les sorciers. C'est ça qui a fait développer l'Afrique. Et plutôt autant pour moi, l'Europe. C'est parce qu'après avoir traqué, détruit la présence de la sorcellerie sur le sol occidental, qui sont rentrés pleinement dans le siècle de lumière. C'est ce qui est vrai. Nous copions tout sur l'Occident, mais tout, mais sauf, n'est-ce pas, cette chasse aux sorcières. C'est vrai qu'on ne fera pas comme les Blancs, comme les gens étaient blancs, barbares, les Occidentaux. Vous prenez les Blancs, les brûlez au bûcher. Nous, aujourd'hui, nous sommes civilisés, nous croyons la parole de Dieu, nous savons qu'au travers de la prière, Jésus-Christ peut délivrer même quelqu'un qui atteint la sorcellerie, parce que nous voyons la sorcellerie comme une maladie. Mais c'est pour dire qu'il y a toute une solution. Même le sorcier, mais étant victime, s'il va trop exagérer, on peut même le délivrer des pratiques de la sorcellerie. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui à, n'est-ce pas, 7667 sorciers délivrés de nos propres. Voilà, c'est déjà une victoire. Voilà, contre le royaume de Satan. Parce que Satan, est dans le fétichisme, est dans le maraboutage, est dans tout ce qui est occultisme, la franc-maçonnerie, la rose-croix, c'est adorer Satan. Il y a le tout droit à l'enfer. Si vous rentrez dans ce genre de pratiques, c'est des pactes. La sorcellerie, la franc-maçonnerie, l'occultisme, tout ce qui est la franc-maçonnerie, la rose-croix, tout ce qui est occultisme, vous allez tout droit vers l'enfer. Nous sommes venus, je suis là pour vous annoncer un message très fort. C'est que Jésus-Christ peut encore vous délivrer de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous voyez votre société en faillite. Jésus est capable de vous délivrer. À chaque époque, à chaque siècle, Dieu suscite, n'est-ce pas, un homme de Dieu, n'est-ce pas, pour faire front au fléau des temps. Jésus-Christ est venu confondre en son temps toute cette histoire de l'hérésie, toute cette histoire de cette doctrine bizarre qui était, n'est-ce pas, à son temps. Et Jésus vient confondre pour dire, il est lui-même le maître de la loi et va le démontrer plus bien avec les miracles qui accompagnaient son ministère. Et ça, c'est vraiment important. Non, mon don consiste à la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est une continuité du ministère de Jésus-Christ. C'est pas de l'orgueil. Je sais que Jésus-Christ est Seigneur.
Voilà, c'est la chose la plus sûre. D'ailleurs, personne ne niera ça. J'ai lancé le défi à plus les plus grands sorciers de la Côte d'Ivoire. Je compte lancer le défi parce que quand on aura affaire à Jésus-Christ, on aura prophète Crasso sur mon chemin. Pour dire, toi qui m'écoutes, ne manque pas d'événement de demain. C'est tout à l'heure. Nous sommes déjà à matin. Nous répondons à certains événements de très détail où Dieu aura l'occasion de te délivrer. Tu avais l'intention de venir à Zaroko, précisément à Divo. Aujourd'hui, Dieu, chose faite, le Seigneur m'envoie sur ce continent. Ne manque pas ça. C'est demain. Toute la journée sera consacrée à ça. À partir de 10h, tout à l'heure, 10h, ce mardi 10, à 10h jusqu'à 17h, le mercredi, ce mercredi après-demain, n'est-ce pas, 10h jusqu'à 17h. Ne manque pas cet événement de taille. Je vous donne les références, 3 rues de la Pointe, 93 230 Romainville. Je reprends, 3 rues de la Pointe, 93 230 Romainville. Voilà, maintenant, tous ceux qui, c'est vrai que merci pour tous ceux qui ont déjà, qui m'ont appelé, n'est-ce pas, pouvoir soutenir cette œuvre noble au niveau de la Côte d'Ivoire, précisément Côte d'Ivoire. Ils aimeraient contribuer pour, n'est-ce pas, la construction de ce grand site qui va abriter, n'est-ce pas, toutes les infrastructures possibles pour pouvoir vous connecter avec les enseignements de pointe, pour pouvoir, n'est-ce pas, préparer votre retour d'Afrique et en même temps délivrer tous les sorciers. Parce qu'aujourd'hui, on sait dans le monde entier un endroit propice où on peut être délivré de la sorcellerie, c'est précisément en Côte d'Ivoire et à Divo. Il y a Divo et il y a Zaroko. Donc, sous ceux qui aimeraient donner les dons, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter au plus 336 86 13 35 97. Je réponds, plus 336 86 13 35 97. Je reprends aussi 06 86 13 35 97. Voilà, c'est pour dire que toute chose. Toutes choses est bon en son temps. C'est le Seigneur qui a voulu que je sois ici. Ne ratez pas d'événements de taille. C'est parce que Jésus-Christ est Seigneur que je parle. Et c'est parce que je crois ton miracle. Et je sais que Jésus-Christ fera quelque chose de fort pour toi. Je sais que lorsque toi et moi, nous serons face à face, Dieu te délivrera de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que je suis arraché, j'ai une rage terrible envers la situation dans laquelle tu te trouves, envers ce que le diable t'a imposé. Et j'aurai l'occasion de vous donner une bouteille gratuitement. Heureusement que les gens ont décidé de contribuer par rapport à, n'est-ce pas, à payer la salle, merci. Je réponds que c'est encore la même salle dans laquelle nous avons eu le programme le mardi dernier, le vendredi et le samedi à Romainville, ces 3 rues de la Pointe 93 230 Romainville. Je réponds 3 de la rue, 3 rues, 3 rues de la Pointe, 3 rues de la Pointe 93 230 Romainville. C'est le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Si vous avez même des enfants, vous pouvez les envoyer pour la consécration. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je vous aime.